Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et alors, je suis très content de vous annoncer que aujourd'hui, à partir de maintenant, je vais faire quelques révélations de tours. Donc, je vous explique le principe. Je vais faire 4 vidéos. Chaque vidéo comportera un tour, donc il y aura écrit un titre spécial pour vos. Les 4 vidéos seront à la suite. Et donc, celle qui aura le plus de likes, donc celle que vous aurez préférée, je l'expliquerai. Donc tout simplement, si vous voulez connaître l'explication, eh bien partagez la vidéo, dites à vos amis d'aimer la vidéo, comme ça, j'expliquerai ce tour-ci. Donc 4 tours et un révélé. Donc ça sera, je pense, je verrai si c'est toutes les semaines ou tous les 2 semaines. Donc voilà, comme ça, ça vous permet d'un peu connaître mieux, de mieux connaître la magie. Voilà. Donc sur ce, aujourd'hui je vais vous présenter le premier tour, donc un tour de Paquetia qui s'effectue avec un paquet de 52 cartes, voilà comme ceci, qu'on peut mélanger. Hop, donc je le mélange, hop comme ceci. On peut effectuer plusieurs mélanges afin de s'assurer qu'il soit bien mélangé. Et une fois qu'il est bien mélangé, en fait, on va demander au spectateur de faire deux paquets. Donc il fait deux paquets comme ça. Donc je vais mettre bien au centre. Et donc une fois qu'il aura fait les deux paquets, le magicien et un spectateur, ou même deux spectateurs et pas le magicien, comme ça le magicien ne touche jamais au jeu. C'est ça qui est très bien. Et donc une fois que c'est fait, vous donnez chaque paquet à un spectateur. Donc et en fait, le rôle des deux spectateurs, donc là j'en ai pas, donc je vais le faire moi-même, mais en réalité c'est vraiment le spectateur qui peut le faire. Le paquet qu'il a, il va le reséparer en deux paquets. Donc il refait deux paquets comme ça. Voilà, donc on va égaliser les paquets. Comme ceci. Égaliser ici aussi. Comme ceci, voilà. Et donc on va les laisser ici. Et en même temps, donc là je le fais après parce que je suis tout seul, mais les spectateurs le font en même temps. Ce qui fait qu'à la fin on se retrouve avec donc 4 paquets. Donc hop, on a ici 4 paquets. Et ce qui est marrant, c'est que ce sont les spectateurs qui ont fait les paquets, on a mélangé le jeu avant et que finalement on a réussi à réunir les 4 as. Voilà. Et bien sûr, tout peut être donné à l'examen. Vraiment tout. Et voilà. Donc, si vous avez aimé ce tour et que vous voulez connaître les explications, likez la vidéo, partagez-la pour que vos amis la likent aussi. Et comme ça, celle qui aura le plus de likes, je l'expliquerai. Donc, pour l'instant, c'était la première vidéo. Il y aura encore 3 vidéos. Et une fois que vous aurez regardé les 4 et que vous en choisissez une, mais vous pouvez tous les liker de toute façon, mais comme ça, celle qui aura le plus de likes, je l'expliquerai. Comme ça vous permettra de faire quelques tours de magie, parce que souvent les tours de magie que je fais, bon, les premiers, ça sera des tours qui sont connus, mais sinon le reste, ça sera des tours qui sont pas. Que j'ai pas trop vu expliquer sur internet. Bon, il y en aura qui auront déjà été expliqués, mais dès que je connais, ne sont pas expliqués. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, bien évidemment, si vous voulez connaître les explications. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo. Allez, salut!